Alright, let's go, ici Étienne Boutier, aka Plus qu'un bouclier, en direct de son domicile Mascoutin. Il est excessivement tôt ce matin, on s'en va rejoindre Maxime Carabine pour aller à Long Island, New York pour regarder Charles Jourdain combattre, mais également la carte complètement folle de Yair Rodriguez contre Brian Ortega. Suivez-nous, ça va être malade! Et pour en parler, il est justement en direction de New York pour assister au combat. En fin de semaine, c'est notre chum Max Carabine qui est avec nous. Salut Max, comment vas-tu? Hey, what's up Tony? Ça va super bien, merci, toi aussi. What up? Ça va? Good morning, yes sir. Sorry pour le petit interlude. Non, pas de trouble. Carabine, il a oublié son passeport. Yeah, avec la chronique. Salut. En plus. Let's go. Yes, on vient de faire ça, ça a bien été, right? Ben oui, c'était parfait. Ça? Ben oui. Direction Long Island. Let's go, man. Alright, man, yes. Fucking stoked. Alright, on vient de touchdown à Long Island, à l'hôtel, son check-in pis tout. Après ça, on va aller bouffer, on va aller à la pesée. Pis on est direct devant le gym à Shane Burgos, les chums. Nous sommes les jeunes! Yo, ils ont Mike Pinnacle, bro, man! Sur moi d'où, là? On y va-tu? Ouais, fuck l'UFC, man! Yeah! Mike Pinnacle Romance! Oh, ben non! UBS Arena! Vous le savez déjà, on est là sur place, New York City! Continuez de nous suivre! UFC. Listen to UFC athletes' personal taste in. Let's go, santé Montana, man. À la vôtre, les chums. Cheers. Weight 146 pounds for Shane Burgos.
Rest in peace, the great one, esti. Que je bois deux bières puis je suis plus sortant. Non, c'est ça. 4 Cook Stanley, jour 5. Alright, fait que c'était les weigh-in. Complètement fou. UFC Long Island, première expérience de weigh-in de l'UFC. Je sais qu'il y avait une foule d'à peu près 500 personnes. Max. C'était quand même tranquille, mais ouais. Pour vrai, c'était hot. Écoute, on a vu notre boy Jourdain, on a vu la famille à Charles. Ouais. On était assis à côté de la famille à Burgos. On a changé de place. Deux petites bières, let's go, déclencher ça. Bellman Bark, super arena, on est très hype pour les combats de demain. Et la famille Ayer, super sympathique. Let's go! Un peu de confirmation que c'est la famille Ayer, pas mal sûr. Ouais, ouais, il y a bonne chance. Ça va être complètement fou. On a vu Ortega, Michael Chiesa. On a vu Daniel Cormier, vrai là. Là, c'était complètement fou. Ça va être malade demain. Hein. Faberglass, let's go! Let's go! Dans le bus, direction Brooklyn! Let's go! Let's go! C'est moi ça, mais petit tabarnak. C'est mille la dune. On est ailleurs, à New York. Comment est-ce que New York, c'est meilleur que Vancouver? Straight up, man. New York over Vancouver. You heard it here first. Séchoir slash lavabo slash distributeur de savon. Vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Vous savez déjà. Même de vue qu'il est on garde la pêche. Ouais. Cheers, mon boy, à l'UFC Long Island. Yes, sir. Délicieux. Ouais, ça fait. Ouais, ouais, ça fait. Let's go. Beans. 8 octogones sur 10. Let's go. Petit jerk à Roxy, let's go. Tu vas voir c'est quoi un Chris de Québécois. Parfait. Tu veux de plus, man? Hey! Oh shit! Hey, c'est une boule de fish! Je suis down, man. Yeah. Fucking down. Ah, vraiment bon, man. Veggie burger pour Roxy. Yeah. Oh, la nachos. Bon appétit! Let's go, man. Bon appétit, tout le monde. 3 km. L'hôtel? Ouais, ouais. Et c'est pas loin, là, à pied? Je check à pied, c'est combien de temps? Ça le sent pas, je pense que c'est trop long, man. 32 km en auto, man. Ah, les Américains, ils aiment pas ça marcher, man. Non, Chris. 32 minutes en auto, man. Okay, fait qu'à pied, on est à genre de. La 6h, man. Je sais pas, il y a pas, je suis là, eh non, gros, on se rend, anyway, là. Le train, il est slow, là, mais il va nous amener à l'hôtel, là. Inquiétez-vous pas, là. Faudrait pas que les gens, ils s'inquiètent pour nous. Sortez vos billets, là. Ouais. On vient de revenir dans la chambre d'hôtel. Moi et le bouclier. Fin prêt, man. On est blindé, grosse king cam. Yeah, pour se tenir prêt pour. C'est ça, deux bières mexicaines pour hier et. Ortega, man. Shout out au main event. Ça va être malade, man. Écoutez, les boys, man, and girls, tout se passe super bien, man. Comme Étienne l'a dit, on est arrivé ici sain et sauf, ici à Long Island City, baby. T'es allé faire un tour au Weigh-In, en direct du UBS Arena. That was insane. C'est fou, man. La pesée officielle, John Annie qui est là, qui accueille les combattants, man. On a vu Big Dana White. Yep. Tout le monde est présent, man. Ouais. Long Island, ça se passe. Demain, les combats. On boit notre petite brew, man. On se repose. Fin prêt pour la grosse journée qui nous attend demain. Yeah, man.
On est là très tôt, là. C'est 11h demain matin que les premiers combats commencent. Ça va être complètement fou, man. On est fucking up, là. Ça va être une fight afternoon, baby, man. Yep. Pas besoin de fight night, c'est les chums. À Long Island, on fait des fight afternoon. Let's go. Après ça, on finit les fight afternoon, puis on s'en va à Times Square, man. Vous donner du footage de fou! Yes, avec la bonne pizza. Hey, what's up? On vient d'arriver au UBS Arena, Long Island. C'est fight night, fight day aujourd'hui en après-midi, vous fight le savez déjà. Afternoon, man. Fight afternoon, c'est en direct de Long Island. Suivez-nous à l'intérieur de l'arena. Let's go! Let's go. Prélim, man, ça va être fou raide, là. J'ai eu 4 gros finish quand même, là. Jourdain's next, baby. Joujou, baby. Let's go, Chuck. On est prêt, man. On est là, certain, man. Moi, c'est quoi un vrai Québécois? Un vrai Québécois. It's always going to be chaotic when I fight, and I want people to enjoy that 15 minutes of pure hell. Ah ouais, donc, on lisse. Il est en forme, le tabarnak! Oh, yeah! Il a shooté, là, qu'est-ce que tu dis? Non, je m'en bête. Oh, ouais, genre. Grosse performance de vétéran de la part de Shane Burgos. Moi, je pense que le round 2 est excessivement serré. Puis le round 3, il y a Charles. Ouais, puis le round 2, t'as Burgos, fait. Let's see. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 29-28 and 28-28 for the winner by majority decision, Hurricane. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Burgos qui l'emporte. Décision des juges. Victoire majoritaire parce qu'il y a un des juges qui a mis ça nul. 18, man. Il a mis ça nul. Ouais, mais il a mis 18. En tout cas, il y a eu un 28-28, un 29-28. Exact. What a fight. Ouais. Je suis fier en tabarnak de mon Québécois, man. Jourdain, tu nous as prouvé à quel point t'es un esti malade. Tough les deux premiers rounds, des grosses tentatives de choke. Va chercher un troisième round légendaire, passe à ça de finir Shane Burgos dans sa cour arrière. L'UFC Long Island continue. On est un petit peu déçu, mais Chris, qu'on est fiers de toi, Charles. Wow, let's go! Yeah. Over. How the fuck did he just win that?
don't think we could have done that. Fait que dislocation de l'épaule du chum Brian Ortega, milieu avant la fin du premier round. Ça a été un bon premier round, mais on en attendait plus, c'est sûr et certain. On est un peu sur notre fin, on a une sale carte quand même. Ouais, exact, exact. C'était débile mental. Victoire de Jair Rodriguez, même tant mieux si ça lui donne un title shot contre Volkanovski. Voyons voir les chums. C'était l'UFC Long Island. Sincère, truand. Nous sommes de retour dans la chambre d'hôtel de Long Island. Quelle journée, man! Quel séjour! Complètement. On est brûlé de tête. On a marché tout New York, man. Tout Manhattan, man. On a marché, on a vu des fêtes, on a vu une sale carte, honnêtement. Là, c'était incroyable. Un peu déçu pour Charles. Moi, personnellement, un peu déçu pour le main event aussi parce qu'on n'a pas vu le combat qu'on voulait voir, man. Mais sale carte, sale expérience, man. Expérience de combat UFC complètement folle à New York en plus, Long Island. Quelle belle place, man. Très cool, très cool. J'espère que vous avez apprécié notre boulot, les jeunes. On a eu du gros fun, comme Étienne vient de le mentionner. Allez nous suivre, si les deux tarlats, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux possibles au monde. Puis continuez de suivre des MMA Talk. Charlotte à Faberglass, Charlotte à Greg Saint-Pierre. Ciao, la gang, esti. Yes.